Je lui ai dit, écoute David, fais-moi plaisir, book Baki pour le prochain combat au PFL. Comme ça, ils vont comprendre. Vous voulez que j'abatte l'avenir du MMA français? Je vais l'abattre. Salut à tous, bonjour, c'est votre chaîne préférée de sport, de combat, d'actualité sportive et de gaming. Et aujourd'hui on va parler d'un clash qui a fait du bruit dans le monde du MMA, celui entre Cédric Doumbé et Baki. Cédric Doumbé, vous le connaissez sûrement, c'est le champion du monde de kickboxing dans la catégorie des poids welters. Et il a récemment fait ses débuts en MMA en ligue américaine PFL. Il a remporté son premier combat par KO au premier round. C'est-à-dire, j'entends souvent mon nom qui est associé à Baki, Baki, Cédric, Baki, Doumbé, Baki. Et en fait, comme disait Samuel Eto'o, c'est un petit jeune, c'est un petit jeune qui n'a même pas encore commencé à jouer. Enfin, il joue en France ou je ne sais pas où. Il se permet de citer mon nom, c'est des Doumbé avec son nom. Baki, de son vrai nom, Paysagur Shamsoudinov, c'est un jeune prodige du MMA qui a commencé sa carrière à 16 ans et qui affiche un palmarès impressionnant de 12 victoires pour une seule défaite. Il est connu pour son style explosif et spectaculaire qui lui a valu le surnom de Baki de Crapleur. Je vous ai prévenu avec Jordan, je l'ai pris 9 secondes. Encore 9 secondes, le temps que l'arbitre vienne et qu'il me pousse. Sinon, c'est 7 secondes. Très méchant. Là, vous réitérez. C'est-à-dire, l'être humain, il ne veut pas comprendre. Et si vous êtes vraiment, vous persistez, on va le faire. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais appeler David. D'ailleurs, j'ai appelé David. Je lui ai dit, écoute David, fais-moi plaisir. Book Baki pour le prochain combat au PFL. Comme ça, ils vont comprendre. Vous voulez que j'abatte l'avenir du MMA français, je vais l'abattre. Jordan, son avenir, voilà, je l'ai un peu petit croche-patte. Baki, vous voulez que je l'éteigne, je vais l'éteindre. Si c'est ce que vous voulez, on va le faire. Pour moi, c'est tout bénef. Combat facile, hype de fou malade. Là, c'est carrément tout le PSG qui va venir, même Marseille, ils vont venir. Gros, le derby sera là dans la salle. Ça va péter. Péter! Mais pourquoi Cédric Doumbé veut-il affronter Baki? Eh bien, tout a commencé quand Baki a déclaré dans une interview qu'il était le meilleur combattant français du MMA et qu'il n'avait peur de personne. Il a même lancé une pique à Cédric Doumbé en disant qu'il était un clown qui faisait du cirque et qu'il n'avait pas le niveau pour le MMA. Ses propos n'ont pas plu à Cédric Doumbé qui a répondu dans une vidéo pleine de punchlines pour le journal L'Équipe. Il a traité Baki de gamin et de petit frère. Il a affirmé qu'il allait lui donner une leçon de respect. Il a même promis de le mettre KO comme Jordan Zebo, un autre combattant français qui avait été humilié par Baki lors d'un combat en 2020. Le ton est donc monté entre les deux hommes qui se sont échangés des insultes et des provocations sur les réseaux sociaux. Ils ont fini par officialiser leur combat qui aura lieu prochainement dans PFL. Ça sera sans doute l'un des affrontements les plus attendus et les plus électriques de l'année entre deux champions qui représentent le haut niveau du MMA français. Qui sortira vainqueur de ce duel? Cédric Doumbé, le vétéran expérimenté et charismatique, ou Baki, le jeune loup affamé et talentueux? Donnez-moi votre avis dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et à ne surtout rien rater. Allez, ciao!